tous et à toutes, c'est Hugo Gaming, j'espère que vous avez en tout cas, moi, je suis super heureux de vous montrer Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Roi de Boruto. C'est parti, on va commencer, donc je l'ai eu pour Noël, je suis super heureux, donc je sais que Noël est déjà passé. D'abord j'ai hésité à faire cette vidéo parce que j'avais peur que ça bug durant la vidéo, j'avais peur que des scènes soient coupées, donc tout va bien. Donc en fait j'ai pris le Roi de Boruto, donc j'ai acheté le Roi de Boruto. Enfin, mon papy me l'a acheté hein, parce qu'il a choisi le Roi de Boruto. Donc, je vais vous montrer ce qu'il y a. Donc, il y a histoire, combat libre, combat en ligne, collection, légende de Boruto, aventure et le mode histoire. Donc, on va tout de suite aller sur le mode histoire. C'est parti, let's go. Ah, je suis super heureux, les amis. Super heureux. Donc, alors, que sont les actions contextuelles? Les actions contextuelles, aussi appelées AC, sont des phases vous demandant d'appuyer sur des touches. Durant une cinématique, vous devrez appuyer sur différentes touches, alors essayez de ne pas vous tromper. Quand vous réussissez une action, une AC, vous gagnez des étoiles. La jauge des étoiles se remplit au sommet de l'écran et quand la jauge des étoiles est pleine, vous pouvez voir des scènes spéciales via les séquences cachées. Les grandes étoiles valent 10 étoiles normales. Notez cependant que les étoiles gagnées ne sont pas conservées entre les chapitres. D'accord. Ah, petite cinématique. ここに名もなき巻物あり。うちに記すは未だ結びの見えぬ物語。その顛末に望む意志あらば己が手を持って開封せよ。汝が意志 Le combat Madara contre Hashirama. Donc Hashirama, le premier Kage. Premier Hokage, pardon. Owari naki tatakai no rensa wo. D'accord. Ah, je suis en train de me battre, ok. Donc je me bats dans l'histoire, what? Oh. Je me bats contre Madara et là je suis Hashirama. C'est lui qui est en train de se faire. Ok, c'est moi qui ai fait ça. Je suis en train de défoncer Madara depuis tout à l'heure. Oh! Gagner avec plus de 50% de vos PV, donc je gagne un kunai d'or. Réussir une action rémanente, masque d'embout de platine.
Obtenir l'épée Kunai de Platine, détruire l'arme portée par Madara, l'âme de ninja de Platine. Ok. On va se partir. Hein. Une action rémanente. Qu'est-ce que ça peut être? What, c'est quoi cette caméra qui bouge dans tous les sens? Donc là, je suis Hashirama. Bon, c'est moi qui a fait ça. Donc une action remanente, normalement c'est une action qui se répète. Je dis pas n'importe quoi. J'ai plus de permutation. Génial. Oh. Ouais. D'accord. Tenue endommagée. Ah génial. Maintenant il y a des tenues. Enfin. Une action remanente, normalement c'est une action qui se répète. Voilà. On va lui casser un peu la face. Donc allez, on va faire attaque normale. Donc quand je dis attaque normale, c'est juste appuyer sur... Ouais. Ok. Mais normal. Allez. Ça m'y arrive déjà. Ah. Ok. C'est parti. Gros normal. Si possible. Oh là là. Ah allez, rond normal. Ok. Maintenant on va faire rond vers le bas. Donc rond joystick vers le bas. Ah voilà, c'est ça l'épée. Oh merde, j'avais pas vu ça. Ah. Mais non. Ah, faut maintenir, ok. C'est bon. Wouah, beau gosse. C'est dur. Ok, attaque normale. Ah merde. Ok, ça c'est bon. Arme brisée. Détruire l'arme portée par Madara. On va faire attaque vers le bas pour voir. Attaque vers le bas. Oh non, c'est une blague. Oh là 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 là, j'arrive pas à lui placer. Ah, joystick, ok, d'accord. D'accord, réussir une action remanente. J'ai entendu lui casser la face. D'accord. Allez. Oui, il est bien dégagé. Attaque vers le bas pour voir ce que ça fait. Ah, j'ai pas l'impression que ça change. Hein. Attaque vers le haut. Okay. Oula. Encore. Ok. Ah ouais. Quand même. On va faire un peu de... Ah oui. Ah quand même. Ah, ça pique. Ah ouais. En cher. Oula. Ouais mais non. On va faire incliné relâché pour voir. Ok. Donc incliné relâché, c'est vous faites juste un mouvement du joystick et vous appuyez sur vous. Ok. Juste un mouvement du joystick de gauche et vous appuyez sur vous. Et c'est bon. Oh merde le con putain. Ah si j'ai réussi. C'est juste que ça n'a pas appuyé sur vous, mais... Sinon j'ai réussi... J'ai eu un petit problème en fait. Je regardais les sous-titres, du coup j'étais pas concentré. Oui. J'ai cru que j'allais me tromper. Ah oui d'accord. What? Kyuubi en Susanoo? Oh la gueule qu'il a fait à Hashirama vers la gauche là. Alors, gagner avec plus. Donc détruire Kyuubi équipé de Susanoo. Ouais bah, c'est trop cheaté. Gagner avec plus de 50% de vos PV, esquiver l'écrasement de Kurama, atout majestueux Susanoo, empêcher
Donc ça gagne un Mastan Boudor, Kunai Kachin. Empêcher Kurama de tirer un gros orbe des démoitures. Oh, génial, le masque d'onde de platine. Lame de ninja de platine, détruire l'une des deux armes dans le dos de Susanoo. Obtenir l'épée de Susanoo. Activer la séquence cachée. Ok. Bon, on doit esquiver l'écrasement et l'orbe des démoitures. Génial. Ah ouais, beau gosse. On lui fait mal. Ah quand même. On va voir une ligne de plus. Mokuton.adamantin. What? Quel délire. Quoi le délire. Oups. Oula. Qu'est-ce qu'il fait? Oula. Il va où lui? Ah. Oh merde. L'écrasement. Joystick. Ok, c'est bon. On a réussi. Oups. Oh oui, bien joué ça. Très bien joué. Très bien joué. Merde, je suis même pas en train de l'attaquer depuis tout à l'heure. Oh merde, l'orbe des démoitures. Ouh, j'ai chaud. Ah ah, attends, bouge pas. Qu'est-ce qu'il va? Ok, des orbes de démoitures. Ça va, c'est pas ça, c'est le sujet. Oula. Attends. Ouh. Mec, t'as que ça dans le ventre. Oh bah punaise. T'as pas faim alors. Tu t'as que ça dans le ventre. Bon allez, Mokuton, point d'amantin. Oh, sa barre de vie. Comment elle chute. Oh oh. Personne ne peut rendre. Oh merde, j'ai pas le temps. Si je veux pas te combattre, tu es mon ami. Ah oui. Tu as toujours été avec nous par tes sentiments. Oh, il se réveille de temps en temps. Donc alors pour vous dire, j'ai Storm Revolution sur PS3, mais je ne peux pas vous faire de vidéo car je ne sais pas comment faire des vidéos sur PS3. Donc si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires et je pourrai faire des vidéos sur PS3. Parce que j'ai tellement de jeux à vous présenter sur PS3 que j'aimerais bien vous faire une vidéo sur PS3. Mais je ne sais pas comment faire car ça ne marche pas. Moi sur PS4 c'est normal parce que c'est facile en fait. Parce qu'on peut diffuser le jeu ou faire une vidéo qui va être... Oh merde, attends. Ah! Attends, qu'est-ce qu'il faut... Oh, oh là là! Donc en fait, sur PS4 c'est facile parce qu'il y a diffuser le jeu et il y a sauvegarder le clip vidéo, donc du coup je sais comment faire. Mais sur PS3, je n'en ai aucune idée. Allez, on va faire un petit tome point d'Amantin. Oh merde! Il était en train d'attaquer, le con! Oh, qu'est-ce... Ah, ok, c'est... Faut y aller, là. Ah, Fortnite est installé. Fortnite est installé. J'arrive pas à lui enlever une épée. Mon Susanoo. Même une puissance... Ouah, ouais, il prend cher. Ok. Ok. Ça va, c'est facile à esquiver. C'est tout ce que t'as. Oh là là, pour un Susanoo, franchement, c'est pourri. Mec, mais franchement, mais j'ai un peu du tien, quoi. Mec, on dirait il a rien dans le vide. Mec, ne dis pas que c'est tout ce que t'as. Hein. Parce que là, c'est abusé. Bon, j'attaque en moi. Oh là là. Je vais me faire plus une fois. Bon, et si j'avançais un petit peu? Qu'est-ce qu'il va faire si j'avance, hein? Il va rien faire du tout. Moi, je peux te casser l'épée. J'en ai rien à faire. Oh oh. Ça, il se prépare à faire une attaque.
Oh non. Ron, ron, ron. Ah, merde, faut l'empêcher vite. Vite, vite, vite. Four. Le ron, c'est maintenant. Sûrement pas. Mais je suis en train de... Allez, allez. Et merde. Ah. Elle. Ça a pas marché, putain. Oh merde, débile. Fallait avancer sur ron, mais il avait presque pas de chakra, donc... Ah, vite, maintenant. Grouille, 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 franchement, grouille. Ah, faut appuyer sur une bonne chose. Oui, j'ai réussi. Ouf, ça a été dur, mais j'ai réussi. Oh putain. Bon coup, t'as eu point d'avantage. Qu'est-ce qu'il va faire? Il attaque. Oh là là, qu'est-ce qu'il va me faire encore? Meurs, acharnement. Ah! Ah ok, faut... Ah, vers le haut. Ok. X. Ouf, j'ai eu chaud. Ouf. Ok. Ah, c'est bon, j'ai tout posé quand même. Génial. Ouh. Ah, joystick. Ouais. Encore. Encore. Mais dis pas encore. Ah ok, c'est bon. Ah ouais, le sous-anneau, il prend cher quand même. Hein. Oh là 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 là. Il a balancé comme une boule de bouillon. Oh là là. Bien joué. Il a balancé comme une merde. Oh la tronche. D'accord. Oh la cinématique de malade. Oh là là, tout ça pour un rang A. Oh le truc de dingue, les amis, c'était... Ah non, c'est un rang B. Ok. J'ai gagné un trophée enchaînement de combat, d'accord. C'est moi où j'ai tout gagné là. Ah, il manque. Il m'a. Ah, gagné avec plus de 50% de vos PV. Détruire l'une des deux armes dans le dos de Susanoo. Obtenir l'épée de Susanoo. Et bah non. Il m'a manqué des choses. Mais quand même, c'était une cinématique de folie. Incroyable. Ah, chapitre d'épisode et chapitre de combat. Depuis le storyboard, sélectionnez le chapitre puis l'épisode auquel vous voulez jouer, de là. Vous aurez accès à des événements qui peuvent être soit une séquence animée, soit un combat. Les épisodes possèdent deux routes que vous devez terminer pour réussir le chapitre. Vous pouvez aussi rejouer les chapitres et combats déjà réussis. Les icônes associées aux événements de combat ont les significations suivantes. Combat de boss, combat libre, combat de horde, combat spectaculaire. Les combats spectaculaires sont des combats spéciaux qui combinent combat libre et je sais plus ce que c'est. Accomplissez les missions de combat. En mode histoire, certaines conditions de combat doivent être remplies pour gagner des trésors de ninja. Lorsque vous sélectionnez un épisode contenant un combat, appuyez sur triangle pour
vérifier le détail des bonus dans le storyboard. Vous pouvez aussi appuyer sur le pavé tactile de la PS4 pour, de la manette PS4 pour voir votre liste d'objets. Comparez les récompenses avec les objets que vous possédez, puis partez en quête des trésors des ninjas qu'il vous faut. D'accord. Visez le meilleur score possible. Tout comme les résultats du storyboard et le score total, votre meilleur score est enregistré. Quand votre meilleur score est mis à jour, votre score de storyboard se met également à jour. Essayez de viser toujours plus haut. Ok. Nouvel épisode déverrouillé. Vous pouvez maintenant jouer à aperçu du prochain chapitre. Eh bien, on va voir l'aperçu du prochain chapitre. Et je vous laisserai là. Donc dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un max. Mais franchement les amis, n'hésitez pas, franchement, ne soyez pas timide. N'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus pour avoir un nouvel épisode sur Storm 4. Partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, enfin si vous le voulez, Snapchat, Twitter, etc. Commentez cette vidéo en bas de la barre de commentaires, dites-moi ce que vous en pensez des vidéos sur Storm 4 et je vous en ferai peut-être beaucoup plus que ce que je vous en ai fait. Et le plus important, s'il vous plaît, abonnez-vous et appuyez sur la clochette quand vous serez abonné pour savoir quand je sortirai une nouvelle vidéo. Bref, c'était Owning, je vous laisse avec la cinématique et je vais vous dire salut.時は進む。されども戦いの連鎖は終わることなく、なおも熾烈極まる忍界で、二つの影が道を歩む。果たして彼らが目にするもの、そして導き出される新たな道とは。辞書、総決の章。この世界は終わらせる。